Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bouillants Nanterre et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant de commencer, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de témoigner du soutien, de donner de la force à toutes les personnes qui, à travers le monde, à travers la France, se mobilisent pour qu'enfin s'arrête le génocide qui a cours à Gaza. Je vous demande ce témoignage, ce soutien, je vous demande de le donner aussi pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po qui ont été insultés, calomniés. Je vous demande de donner tout votre soutien aux étudiantes, aux étudiants de Sciences Po qui ont été victimes d'une fake news, qui ont été accusés de l'infamie parce qu'ils se mobilisaient contre le génocide qui a cours à Gaza. Ils ont vu défiler Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, et c'est bien la première fois qu'on la voit, celle-là. Ils ont vu défiler Gabriel Attal. Ils ont même eu le droit à un commentaire. Attendez, ils ont même eu le droit à un commentaire du président de la République, Emmanuel Macron. Ces trois-là ont un point commun, c'est d'avoir une forme de complicité par leur inaction quant à ce qu'il se passe à Gaza. Et ils ont fait, pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po, la pire des insultes, la pire, celle de racisme et d'antisémitisme. Je le dis pour les étudiantes et pour les étudiants de Sciences Po, je le dis pour vous, je le dis pour nous deux qui sommes à la tribune. Si jamais une personne juive était attaquée, si une personne musulmane était attaquée, si une personne chrétienne était attaquée, si qui que ce soit était attaqué en raison de sa couleur de peau, si qui que ce soit était attaqué en raison de sa religion, nous serions les premiers à courir pour les défendre. Nous serions les premiers à courir pour les défendre. C'est valable pour les étudiantes et les étudiants de Sciences Po. C'est valable pour vous. C'est valable pour nous deux. La gauche, elle peut se regarder dans un miroir, car elle est pour l'abolition du système de classe. Elle est pour l'égalité religieuse. Elle est pour l'égalité des genres. Elle est pour l'égalité de tous les êtres humains. Nous en avons fait le combat de notre vie. Et ce n'est nous ne laisserons jamais dire que critiquer le gouvernement israélien, c'est critiquer les personnes juives. Pas plus que nous ne laisserons dire que les personnes juives sont engagées par la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. Ce sont les deux faces d'une même pièce, celle d'une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. Le sujet de l'antisémitisme est trop grave pour être instrumentalisé politiquement. Et je remercie les 33 étudiantes et étudiants mobilisés à Sciences Po de confession juive qui ont dénoncé cette instrumentalisation politique de l'antisémitisme. Le sujet de ce qui se passe à Gaza est trop grave pour que soit fait une instrumentalisation politique. Et je m'étonne de voir ces médias relayer une telle fake news, une telle injure, alors qu'ils sont incapables de relayer les visages, les corps de ces enfants qui meurent de faim alors que règne la famine à Gaza. Plutôt que de partager des fake news, partagez ce qui se passe là-bas, montrez les horreurs, aidez-nous à faire cesser le massacre. Je vous demande de partager une exclamation, un soutien, puisque en plus les étudiantes et les étudiants de Sciences Po ont été nassés dans leur rassemblement. Il n'y a pas besoin d'être quelque journaliste que ce soit. Il n'y a pas besoin d'être de quelque religion que ce soit. Il n'y a pas besoin d'être de quelque conviction politique que ce soit pour répéter les mots que je vais dire. Tuer 30 000 civils, 12 000 enfants, organiser la famine, ce n'est pas un droit à se défendre. Cessez le massacre, cessez le génocide, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Et je m'étonne de voir
La ministre de l'enseignement supérieur, si prompte à sortir de son ministère, on l'entend pas sur la précarité étudiante, voilà qu'on l'entend pour relayer une fake news. Mais quand a été dit sur CNews, la moitié des étudiants de Sciences Po sont des étrangers, c'est un problème. Elle était où, madame Sylvie Retailleau, pour défendre les étudiantes et les étudiants de Sciences Po? Je m'étonne de voir Gabriel Attal prétendre défendre la laïcité, prétendre lutter contre la haine religieuse. Mais rappelez-vous, Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale. Il avait raté sa rentrée scolaire. Les professeurs, il n'y en avait pas devant toutes les classes. Tout le monde n'avait pas des fournitures scolaires. Et Gabriel Attal a divisé la communauté éducative avec sa polémique honteuse sur la baïa. Comment un ministre peut parler de laïcité quand il demande à des fonctionnaires de mesurer les robes des lycéennes en fonction de leur religion supposée? Comment lui peut se prétendre défenseur de la laïcité? Et je me vois choqué d'entendre le président du Sénat, Gérard Larcher, et même Macron laisser certains membres du gouvernement utiliser ce mot. Islamo-gauchisme. Mesurez le poids de l'histoire. Il y a 100 ans, ces mêmes personnages auraient peut-être utilisé les mots de judéo-bolchevisme. Voilà ce dans quoi ils essaient de nous faire rentrer. Alors, personne n'est naïf. Vous savez, quand les gens ils regardent ça à la télévision, qu'ils voient ce gouvernement d'incompétents, ils se disent mais ils ont que ça à foutre. Elle est là leur préoccupation, parce que personne n'est naïf. On a à longueur de journée une partie de la classe politique, Rassemblement National et Macroniste, des médias qui passent leur temps à nous parler des quartiers populaires. Pas un seul a jamais mis un pied dans un quartier populaire. Pas un seul. Gabriel Attal n'est jamais sorti de ces deux arrondissements de Paris. Ces gens passent leur longueur de journée à polémiquer sur l'immigration, sans que jamais ne soit invitée une personne immigrée, sans que jamais ne soient invitées les associations d'aide aux personnes réfugiées. Ces personnes passent leur temps à parler d'islam, sans que jamais ne soient invitées ne serait-ce qu'une femme voilée quand ils nous lancent l'énième polémique sur le voile, mais sans que eux-mêmes ne fréquentent réellement de musulmanes et de musulmans. Et je vous invite à écouter Vincent Bolloré qui disait « Je ne suis pas islamophobe, j'ai eu Mohamed V dans mon jardin ». Voilà quel est le niveau de ces gens. Mais, et les gens ne sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qui est en train de se passer, parce que pendant qu'on est en train de parler de ça, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Par exemple, les revenus des agriculteurs ont baissé de 9%. L'alimentaire, pour vous, a augmenté de 20 à 40%. Donc les agriculteurs perdent de l'argent, et vous, vous perdez de l'argent. Mais alors où est-ce que ça va? Les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 71%. Le problème, c'est pas les quartiers populaires. Le problème, c'est l'industrie agroalimentaire qui se cave. Voilà où il est le problème. Ces gens. Une autre chose qu'on n'entend pas, le prix de l'électricité augmente de plus de 40% en 2 ans. Ils vous disent, mais oui, c'est à cause de la guerre en Ukraine, patati patata. Ah oui? Et pourtant, on a Engie qui se félicite de ses excellents résultats en 2023 et qui a bien récompensé ses actionnaires. Le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est les actionnaires d'Engie qui se gavent. Et les gens savent, et je vous invite à le répéter, 5 milliardaires français possèdent autant que 27 millions de personnes dans ce pays. Le véritable séparatisme, c'est pas celui qu'ils prétendent des musulmans, c'est le séparatisme des milliardaires qui se gavent. Et tout ça est absolument spectaculaire, parce que ils vous prennent de l'argent dans votre poche et ils s'en mettent plein les poches. C'est un braquage absolument spectaculaire. Alors, normalement, dans un braquage, vous êtes censé avoir toute une série de choses. La police doit intervenir, 80 à 100 milliards de fraude fiscale. On attend toujours l'intervention. Normalement, vous avez l'hélicoptère de BFM TV, les motos de CNews qui filment ce braquage spectaculaire de ces milliardaires qui vous volent votre argent. Mais pourquoi est-ce que ce braquage n'est pas diffusé à la télévision? C'est très simple. Parce que ce sont les braqueurs qui possèdent la télévision. Voilà pourquoi le braquage n'est pas diffusé. Et il est temps de parler d'un sujet qui fait beaucoup l'actualité. Vous avez vu que le groupe parlementaire La France Insoumise a lancé une commission d'enquête qui est menée brillamment par mon ami, camarade et député Aurélien Saint-Toul. On peut remercier pour cette commission d'enquête.
Il y a eu de nombreuses auditions, dont deux auditions qui ont beaucoup fait l'actualité. Il y a eu la veille, celle de Vincent Bolloré. Alors, j'étais censé intervenir dans cette commission, j'étais membre. Il y a eu une épine, comme dirait un célèbre combattant de MMA français. Puisque le président de la commission m'a tout simplement empêché de parler. Le dernier à qui il a donné la parole, c'était Laurent Jacobelli, député Rassemblement National, qui a léché les pieds de Vincent Bolloré devant tout le monde, et nous avons tous été très choqués. Et puis, il y a eu celle de Cyril Hanouna, à laquelle je n'ai pas pu intervenir, puisqu'il a porté plainte contre moi, j'ai porté plainte contre lui. Donc, le parlementaire que je suis respecte la déontologie et je ne me présente pas à la commission d'enquête. Cependant, j'ai écouté, et j'ai vu que Cyril Hanouna a dit certaines choses. Il a notamment dit « C'est grâce à moi, Cyril Hanouna, si Louis Boyard a été élu député. » Alors, j'ai été très surpris. Moi, je pensais que Cyril Hanouna vivait dans les beaux quartiers de Boulogne-Billancourt, pas qu'il vivait dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Mais je remercie Cyril Hanouna, si jamais il fait partie des 15 087 personnes, grâce à qui je suis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Apparemment, il n'est pas de Boulogne-Billancourt. Alors, je l'ai aussi entendu dire, mais oui, mais si c'est moi, Cyril Hanouna, qui ai lancé Louis Boyard. Alors, je pensais que mon engagement politique avait commencé à mes 17 ans, quand j'avais bloqué mon lycée pendant 3 à 4 mois à cause de Valérie Pécresse, l'incompétente, qui nous laissait respirer des produits toxiques. Et on a réussi à battre Madame Pécresse. C'est comme ça que j'ai commencé mon engagement politique. Mais le parallèle est intéressant de voir comment est-ce que Cyril Hanouna a lancé sa carrière, puisque, je le rappelle, c'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Mais, admettons, disons-le, si je dois mon élection, si je devais mon élection à une seule personne, c'est pas à Cyril Hanouna. Cette personne, elle est à côté de moi. Elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est lui qui a reconstruit la gauche. C'est lui qui a fait 22% à la présidentielle. C'est grâce à lui qu'on a fait la NUPES. C'est sa tête qu'il y avait sur nos affiches. C'est lui qui a fait le programme. Et c'est valable pour moi, comme c'est valable pour Olivier Faure et Fabien Roussel. Alors, j'ajoute autre chose. Il dit que nous avons été amis. C'est gênant. Je n'ai jamais été son pote. Parce que moi, mes potes, ils n'ont pas peur de dénoncer le pillage de Bolloré en Afrique. Moi, mes potes, ils ne serrent pas la main de l'extrême droite. Moi, mes potes, ce ne sont pas des hypocrites du show business. Alors, je ne vais pas m'attarder plus sur ça, je veux juste terminer en disant une chose. Je trouve vraiment triste qu'une émission comme « Touche pas à mon poste », qui fait référence à un slogan antiraciste qui s'appelle « Touche pas à mon pote », soit devenue aujourd'hui la courroie de transmission du plus raciste des milliardaires français. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, c'est un larbin, et moi je m'intéresse au véritable problème, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Et n'écoutez pas les personnes qui vous disent « Mais attendez, la France Insoumise lance une commission d'enquête sur le renouvellement de l'ARCOM en 2025. » Parce que oui, il y a moyen que l'ARCOM, ce qui est aujourd'hui l'héritier du CSA, ne renouvelle pas les chaînes de Vincent Bolloré. Il y a un monde où c'est le cas. Mais pourquoi? Parce que les canaux de diffusion de la télévision, ils appartiennent pas aux milliardaires, ils appartiennent à l'État. Et ils doivent respecter un certain nombre de règles. Et c'est très étrange, parce que Vincent Bolloré, il dit « Moi, je suis un businessman, patati patata », mais dès lors qu'il s'agit d'aller piller le continent africain, Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui sait être rentable, c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent. Mais alors, quand il s'agit des médias d'opinion français, c'est quelqu'un qui ne fait que d'investir dans des gouffres financiers. Écoutez, C8 a fait perdre 650 millions d'euros depuis 2005 à Vincent Bolloré. C'est un record, personne d'autre n'a fait ça. Non, donner 53% de temps de parole à l'extrême droite sur TPMP, comme le démontre une étude du CNRS, ça ne rapporte pas d'argent à Monsieur Bolloré. CNews lui a fait perdre l'année dernière 4 millions d'euros. Et ça va continuer pour l'année qui suit parce que le budget des annonceurs va encore baisser. Ils perdent de l'argent. Non, mettre les mots islam et immigration 335 jours sur 365 sur les bandeaux de CNews, ça ne fait pas gagner de l'argent à Monsieur Bolloré. Le rachat de CNews, c'est exact. Le rachat du JDD, c'est exactement la même chose. Il a mis à la tête du JDD un type qui s'appelle Geoffroy Lejeune, qui a été condamné parce que son journal a fait une injure raciste sur ma collègue Danielle Obono. Les ventes sont en train de chuter. 10 000 exemplaires perdus en 7 mois. Il a perdu 2500 abonnés numériques. C'est un gouffre financier qui a un point commun avec C8 et CNews. Vincent Bolloré, il n'achète pas des médias pour se faire de l'argent. Vincent Bolloré, il achète des médias pour imposer une ligne anti-immigration, raciste, islamophobe, réactionnaire, homophobe, misogyne, anti-avortement.
Vincent Bolloré est un milliardaire qui a un projet politique. Et il faut réécouter la commission, mais il ne faut pas être bête. Vincent Bolloré est quelqu'un qui sait investir son argent et c'est quelqu'un qui connaît très bien les règles de l'ARCOM. Et pour répondre aux critères de viabilité économique de l'ARCOM, il nous dit « Non, mais regardez, les audiences, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. » Ah oui ? Si jamais c'était les audiences qui intéressaient Vincent Bolloré, pourquoi est-ce qu'il a tué les Guignols qui faisaient 1,8 million de téléspectateurs ? Peut-être parce que c'était une émission trop contestataire ? Si jamais c'était les audiences qui intéressaient Vincent Bolloré, pourquoi il a perdu le petit journal qui aujourd'hui est devenu quotidien et qui écrase toutes ses audiences ? Ce n'est pas un véritable argument. Vincent Bolloré est un milliardaire qui achète des médias pour porter un projet politique. La vérité, c'est que ses émissions, elles avaient surtout comme point commun de ne pas s'inscrire dans sa vision réactionnaire. La convention de l'ARCOM l'oblige non seulement à respecter ce critère économique, mais elle l'oblige aussi à respecter un critère de pluralisme. Et C8 et CNews n'arrêtent pas de multiplier les tours de passe-passe pour permettre qu'ils ne respectent pas le pluralisme. Vous vous retrouvez à avoir 53% d'extrême droite invités sur le plateau Touche pas mon poste, et comment est-ce qu'ils font ? C'est très simple. Dès lors qu'il s'agit d'inviter des personnes de gauche, ils prennent des personnes qui sont décomptées sur le compteur politique, et ensuite, dès lors qu'il s'agit d'inviter des personnes de droite, ils vous invitent des personnes comme Éric Nolot, Geoffroy Lejeune, qui sont des personnes qui sont fondamentalement d'extrême droite, mais qui ne sont pas décomptées. C'est là qu'elle est la manipulation, et il va tellement loin que vous avez Ségolène Royal, qui était candidate à la présidentielle de 2007. Elle est décomptée comme Parti Socialiste. Et Monsieur De Villiers, qui était candidat en 2007 et qui est un type d'extrême droite, n'est lui pas décompté du tout. Il magouille pour essayer de faire en sorte d'inonder vos plateaux télé. D'inonder vos plateaux télé de propos anti-immigration, anti-islam, de propos qui divisent le peuple. Et on a à la fin ce résultat, François Josse, professeur émérite à la Sorbonne, qui explique que 78% des invités de CNews représentent l'extrême droite. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place ? Parce que c'est bien le problème. Les médias n'appartiennent pas au peuple. Déjà, premièrement, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un critère de rentabilité sur les médias. Les médias, c'est un objet démocratique. Vous n'avez pas de démocratie saine et fonctionnelle si vous n'avez pas des médias indépendants des milliardaires. Alors, le jour où nous arriverons au pouvoir, nous retirerons le monopole des milliardaires sur les médias. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouverez peut-être à ne plus avoir l'énième débat sur le voile, mais peut-être qu'à un moment, on va parler de précarité étudiante. Parce que c'est quand même aberrant. À chaque rentrée universitaire, c'est la même chose. On a des files d'étudiantes, d'étudiants à la distribution alimentaire. D'ailleurs, il y en a toutes les semaines et tous les jours. Mais chaque début de rentrée universitaire, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Oh, c'est terrible, c'est désastreux. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et alors là, aujourd'hui, ils ont fait passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Maintenant, si jamais vous pouvez toucher une pension alimentaire au-dessus de 18 ans, il y aura un recouvrement automatique. Et vous aviez Sarah El Haïry, votre incroyable ministre de la Jeunesse, qui arrive et qui dit « Mais quelle fierté ! Le gouvernement est pleinement engagé contre la précarité étudiante. » Alors, je ne veux pas jeter l'eau propre contre Sarah El Haïry, mais je vais quand même rappeler quelque chose à cette dame. Les personnes qui vous disent il faut un système de bourse, par ailleurs il y a seulement 40% des étudiants qui les touchent, ils ont dit on a augmenté les bourses, ils ont augmenté les bourses de 4% au moment où l'inflation était à 7%, aujourd'hui vous êtes à plus de 20%. Ne croyez pas aux personnes qui vont vous donner des chèques, ne croyez pas aux personnes qui vont vous dire augmentation des bourses, ne croyez surtout pas à ces inutiles du Rassemblement National qui eux vous proposent, si jamais vous travaillez pendant vos études, vous aurez toujours 200 à 300 euros de plus, c'est très bien, ils n'ont rien compris, vous vivez toujours sous le seuil de pauvreté, vous avez toujours deux catégories d'étudiants, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'on ne peut pas nous raconter que le système scolaire est méritocratique, et par ailleurs, petite réflexion, mais le système scolaire n'a jamais été méritocratique de son histoire, ce qui nous invite à nous interroger sur les promesses que l'on nous fait à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut dire que l'université est méritocratique dès lors que vous avez cette injustice ? Vous, qui avez travaillé pendant vos études, la moitié de votre temps consacré à essayer de payer votre loyer, et ensuite, vous arrivez le jour du partiel, et vous vous retrouvez à côté de cet autre étudiant qui a eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient financer les études. Il a deux fois plus de temps que l'étudiant précaire pour pouvoir réviser. Non, on ne peut pas parler d'égalité à ce moment-là. Et toutes les personnes qui vous promettent des bourses et des chèques sont des menteuses, des menteurs. Parce que le seul moyen qu'on a véritablement de lutter contre la vague de précarité qui touche la jeunesse aujourd'hui, c'est de passer à une solidarité sociale et nationale. La situation dans laquelle vous vous trouvez, d'autres s'y trouvaient déjà à l'époque. Les personnes âgées. Dès lors qu'elles avaient fini de travailler, qu'elles avaient le corps qui était brisé, qu'elles ne pouvaient plus retourner sur la chaîne de production, eh bien ces personnes,
hop, retraite. Sauf qu'elle dépendait de la fille, du fils pour pouvoir survivre. Sauf que la fille et le fils ne pouvaient pas forcément subvenir à leurs propres besoins. Et vous aviez une vague de misère dans le grand âge. Puis alors, les syndicats se sont organisés, ont organisé des systèmes. Mais vous avez surtout un grand homme, et je vous invite à rendre hommage à ce grand homme, Ambroise Croizat, qui est arrivé et qui a mis en place le système de retraite. Qu'est-ce qu'il a dit, Ambroise Croizat? Il a dit, ça ne sert à rien de permettre la survie du grand âge en passant par une solidarité familiale, parce que les familles ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Alors on va passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Quand vous voyez que vous avez 40% des étudiantes et des étudiants qui disent avoir des troubles dépressifs, quand vous avez 54% des étudiants qui disent sauter régulièrement un repas, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de mettre en place un revenu étudiant qui nous fasse passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale? C'est la seule solution. C'est la seule solution pour éradiquer la précarité étudiante. Tout le reste n'est que mensonge. Et alors j'essaye à l'Assemblée nationale, j'essaye d'y aller. Encore ce matin, je les ai emmerdés et ils ont crié. Et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Mais on a des verrous sur beaucoup d'autres sujets. Et notamment sur le ressenti que nous, on peut avoir par rapport à la société actuelle. Je vous ai parlé d'à quel point les institutions vous semblaient déconnectées. Je vous ai parlé de la déconnexion des médias. Je vous ai parlé d'un système qui ne permet pas à des millions de jeunes à qui on dit « faites des études » de pouvoir véritablement faire des études. Mais en vérité, c'est toute une institution et toute une société qui ne ressemble pas à notre génération. La Constitution de 1958 a été faite dans un moment où Internet n'existait pas. Dans un moment où on n'avait pas conscience du dérèglement climatique. Dans un moment où les femmes avaient à peine le droit de véritablement participer à la vie politique et institutionnelle. Dans un moment où la liberté de genre, la liberté d'orientation sexuelle n'était pas aujourd'hui libérée comme elle l'est. Et par ailleurs, je tiens à souligner quelque chose. Si jamais aujourd'hui les femmes ont droit de vote, si jamais aujourd'hui les personnes LGBT ont les libertés qu'elles ont, c'est parce qu'il y a eu des luttes de femmes, il y a eu des luttes de personnes LGBT. Et je me rappellerai toujours de ces mots au moment où Mathilde Panot et Mélanie Vogel ont constitutionnalisé l'IVG. Il a été dit, les femmes, à l'époque où elles avaient réussi à obtenir le droit d'avorter, ces femmes n'imaginaient pas que vous iriez aussi loin. Et si jamais nous sommes allés aussi loin, c'est grâce à la lutte des femmes. Il y a une reconnaissance de l'État des personnes qui ont été condamnées pour homosexualité. Nous ne serions pas allés aussi loin sans le combat des personnes LGBT. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre. Oui, il y a des verrous. Oui, il y a des verrous. Mais on a un moyen de faire péter ces verrous. C'est vous. Vous êtes la clé. C'est vous qui réussirez à obtenir. C'est vous qui réussirez à obtenir la 6ème République. C'est vous qui réussirez à obtenir la règle verte. C'est vous qui réussirez à obtenir le droit à l'IVG, pas la liberté à l'IVG. C'est vous qui réussirez à obtenir la liberté de genre dans la Constitution. C'est vous la clé. Et bien sûr, il y a un outil qui est très très efficace, qui est le vote, et je vous invite à l'utiliser. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, la France Insoumise, quand vous regardez les intentions de vote pour les prochaines élections, on est à 43% de participation. Les autres sont à 53% de participation. Je sais qu'en ce moment, la politique, elle est dégoûtante. Je sais que parfois, il y a certaines personnes qui n'ont même plus envie de la suivre. Mais vous, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de la suivre. Mais surtout, faites passer le message aux autres. Si tu veux te faire respecter, tu dois voter. Si tu veux pas Jordan Bardella en tête, tu dois voter. Si tu veux plus de Gérald Darmanin, tu dois voter. Si tu veux pas d'un premier ministre comme Gabriel Attal, de la jeunesse bourgeoise pour représenter les jeunes, tu dois voter. Tu veux te faire respecter, tu votes. Mais je ne vous ferai pas de l'insulte de vous dire qu'il n'y a que par le vote que l'on change des choses. Nous sommes à Nanterre. Et mes amis, j'ai des grands souvenirs qui me font dire que quand vous avez 1400 étudiantes et étudiants rassemblés dans un amphi, ça ressemble à une assemblée générale. Il y a un air de mai 68. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais quand ça va sortir, ils apprendront. Ils apprendront. Tu salis les valeurs de la France. Tu nettoies. Tu casses le système de service public. Tu répares.
Tu défies la jeunesse. On t'apprend à la respecter. Quand la lumière s'éteindra sur nous deux, lui et moi, ça fera 2 siècles de lutte. Ce soir, on va être un peu à front renversé, lui et moi, dans le message que nous venons vous apporter. Merci à Louis de déployer cette ferveur qui nous met en mouvement et nous permet de nous unir dans cette salle, dans la bataille que nous engageons. Pour ma part, maintenant, d'abord en vous remerciant pour l'accueil que vous m'avez réservé, en saluant ceux qui sont dans l'autre salle, puisqu'hélas, nous ne pouvions pas être tous au même endroit. Je veux m'adresser à vous pour solliciter, dans un moment si extraordinaire, pas seulement le moment que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas combien de fois cela a pu avoir déjà lieu ici à Nanterre, dont je sais très bien ce que cela signifie que de venir y parler devant les étudiants, et dont je sais très bien de quelle date anniversaire il se rapproche à cet instant, pensant à un 22 mars dans le passé, qui se déroulait dans une ambiance sans doute beaucoup plus détendue que celle dans laquelle nous nous trouvons. Jeunes gens, par-dessus tout, je m'adresse à votre intelligence. Je vous demande de faire l'effort, dans le moment que nous sommes en train de vivre, de tendre tous les moyens intellectuels dont vous disposez, toute l'énergie qui est en vous, à comprendre ce qui se passe. Quel sort terrible que d'être dirigé par un gouvernement dont le Premier ministre se transforme en surveillant général de Sciences Po et dont le Président de la République relaie en Conseil des ministres les dernières sottises qu'il a entendues et qui sont des faits, comme on dit maintenant. Ces gens-là ont la responsabilité d'une des grandes nations du monde, et la conduisent jusqu'au seuil de la guerre, parce que c'est le moment dans lequel nous sommes. Ne croyez pas que le danger soit écarté seulement parce que nous n'y sommes pas accoutumés, parce que cela fait plus de 70 ans que ce pays, sur cette terre, n'a pas connu la guerre, sinon celle que l'on avait exportée chez les autres, en Algérie et ainsi de suite. Ne croyez pas que nous soyons d'une quelconque manière à l'abri du danger. Et quelle qu'en soit la difficulté, la solution reste toujours la même, elle est en nous, notre capacité à nous mobiliser et à utiliser tous les moyens dont nous disposons, j'ai bien dit tous les moyens, pour nous opposer à la marche à la guerre. Vous ne savez pas à quel point ce monde est neuf, et c'est bien normal. Moi non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas, quand j'avais 20 ans, que la Deuxième Guerre mondiale était si proche de moi. C'était un événement du passé. Vous ne savez pas à quel point le monde dans lequel vous vivez est radicalement neuf par rapport à la génération de vos parents et de vos grands-parents. L'humanité, quand je suis né, comptait à peine 2,5 milliards d'individus. Nous sommes 8, nous allons être 10. C'est-à-dire que, plus que jamais, tout ce qui sont les conséquences de cette situation va déferler et affirmer un monde entièrement neuf. Terriblement neuf, parce que personne ne sait.
comment faire face aux défis qu'il soulève. Ce monde de 8 milliards d'individus s'est concentré dans des villes, une humanité nouvelle est là. Ces villes ont engendré spontanément des millions de kilomètres de réseaux collectifs dont dépend l'existence individuelle de chaque personne. Il y a peu, je me trouvais à Kinshasa. Ils étaient à peine 1200 au début du précédent siècle. Ils sont 17 millions. La population de la ville double tous les 5 ans. C'est une humanité absolument, totalement nouvelle que celle qui est là et qui dépend en tout et pour tout des réseaux collectifs qui lui permettent de reproduire son existence matérielle. Et ces réseaux sont dorénavant la structure de base de l'organisation du capitalisme. Je dis le capitalisme parce qu'il faut bien nommer le système dans lequel se produit la vie humaine, sa reproduction, les moyens d'y accéder. Ces réseaux collectifs sont devenus la nouvelle frontière partageant le « eux » et le « nous ». Le « nous », c'est ces millions de personnes qui ne sont rien, qui ne peuvent vivre sans l'accès à ces réseaux collectifs. C'est vous qui n'êtes rien si vous ne pouvez pas accéder à ces réseaux et si vous ne pouvez pas accéder au réseau de l'éducation. Eux, c'est la poignée, je dis bien la poignée comparée à 8 milliards d'individus, d'oligarques qui possèdent tout. Et la relation d'exploitation, de dépendance, de domination, c'est celle qui est fondée par la nécessité pour chacun d'entre nous, pour produire et reproduire son existence matérielle, d'accéder à ces réseaux collectifs. Évidemment, une fois qu'on a dressé ce tableau, et c'est ma contribution personnelle particulière à votre réflexion, celle que je vous propose, celle que j'ai consignée dans ce livre, qui n'est rien d'autre qu'une aide à penser. Mais il faut penser et comprendre que ce monde entièrement nouveau est entré dans des bifurcations sans précédent. La première, c'est que le système capitaliste lui-même, qui bien sûr change à mesure que les époques passent, il n'est pas le même qu'à son début au XIXe siècle, il n'est pas celui du XXe siècle dans lequel j'ai vécu l'essentiel de mon existence. Il est autre, mais il est frappé par ses tares originelles, qui sont toujours les mêmes. Il lui faut accélérer sans cesse la circulation de l'argent vers la marchandise et de la marchandise vers l'argent, c'est-à-dire reproduire à un rythme toujours plus accéléré son accumulation. Et il est en crise parce qu'il a une crise de productivité. En une heure, on produit moins qu'on produisait auparavant. Après qu'on ait connu une pause, maintenant nous sommes dans la régression. Il lui faut impérativement rétablir la situation. Et il ne peut le faire autrement que par la surexploitation du travail d'une part et d'autre part, par la marchandisation de tout ce qui vit, de tout ce qui existe. Regardez-vous, autrefois, la fonction de transmission du savoir était dans les sociétés humaines une activité de base qui commence avec nos petits qui s'enseignent les uns les autres les bêtises qui sont à leur disposition. Ce n'est pas toujours notre goût. Et puis les savoirs. Eh bien, le savoir se partageait gratuitement. Dorénavant, il devient une marchandise. Et tout le système des barrages, des numerus clausus, des inventions telles que Parcoursup, cette ignominie, et ainsi de suite, sont destinés à rendre possible l'existence d'un marché du savoir, et notamment d'alimenter sans cesse la machine à produire du capital. C'est par milliards que se compte dorénavant la dette des étudiants américains. En France, on n'est pas capable de l'évaluer, mais on sait que tous les ans, elle augmente de plus de 10%. D'un côté, surexploitation du travail, de l'autre, marchandisation de tout, des savoirs, de la vie, de tout, absolument tout, transformé en marchandise. Qui se souviendra que jusqu'à 1959, dans ce pays, il était interdit de déposer des brevets sur les vaccins, qu'il était interdit d'empêcher la diffusion des connaissances qui permettaient à chaque pays, à chaque groupe d'êtres humains, d'essayer de reproduire l'expérience
qui libère et protège de la maladie, de la mort et des autres éléments fondamentaux de la condition humaine. Le capitalisme, par conséquent, dans ce type de crise, a d'abord choisi, comme je l'ai dit, les deux facteurs d'accélération, étendre l'emprise, deuxièmement, augmenter l'exploitation. Mais il a la vieille recette qu'il a toujours eue, détruire pour construire ensuite. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Jaurès. Aujourd'hui, la guerre n'est pas, une fois de plus, un emballement, une perte de sang-froid, bien sûr l'emballement, celui dont on va ensuite faire les troupes qui combattent. Bien sûr, la perte de sang-froid, celle des chefs ineptes, incapables de construire des stratégies dans le temps et de comprendre qu'avant toute chose, l'intérêt d'un pays comme le nôtre est de travailler à la paix parce que le chemin de la paix est plus rapide, plus efficace que n'importe quelle guerre, fût-elle limitée. Et celle-là ne le sera pas. La guerre est une activité économique qui permet au capital non seulement d'avoir des perspectives joyeuses de reconstruction, mais surtout dans l'immédiat, de remettre en route la machine économique sans être obligé d'augmenter les salaires, sans être obligé de cesser de s'étendre à tous les domaines, en produisant des armes qui nécessairement ne serviront soit à rien, soit à détruire des gens. Il permet la relance globale de l'économie générale. Et c'est pourquoi des pays sont intrinsèquement intéressés à la guerre. Les États-Unis d'Amérique qui dominent le monde, les États-Unis d'Amérique ont une économie d'armement qui représente la moitié de l'économie d'armement générale du monde. Et ils peuvent en acheter encore et encore parce que leur monnaie n'a pas de contrepartie matérielle. Je pense, et j'en demande pardon à ceux qui ne font pas de l'économie, que vous me comprenez tous, avec ce dollar, ils peuvent en produire encore et encore et encore et encore. Ils en ont besoin. C'est ça qui est mortel dans ce système. C'est qu'il se nourrit de ses propres turpitudes. Quand ce capitalisme arrive à cette impasse et a besoin de la guerre, il se nourrit des désastres qu'il va produire. Comme, c'est la deuxième bifurcation, il se nourrit de la catastrophe climatique qu'il a déclenchée. Il vous vendra tous ceux dont vous avez besoin si vous êtes noyé. Il vous vendra ce dont vous avez besoin pour respirer de l'air pur. Ne croyez pas que je sois en train d'exagérer. Il y a déjà des machines à respirer de l'air pur qui se vendent dans des pays où l'air ne l'est plus du tout. Il y a déjà des machines pour remplacer les abeilles qui ont été détruites par les pesticides pour polliniser les fleurs dans de meilleures conditions que ne le faisaient les abeilles, car celles-ci, figurez-vous, ne travaillent pas la nuit, tandis que les drones, si. Voilà comment et pourquoi ce système est mortel. C'est votre génération qui va devoir affronter. Ou bien la victoire sur ce système et son remplacement, à l'aide d'un programme politique, par exemple, comme celui que nous avons fait avec l'Avenir en commun. Ou bien la catastrophe qui, petit à petit, disloquera la civilisation. Ça ne se passera pas en une nuit, ça ne se passera pas en un jour. Ça commence par les trains qui n'arrivent plus à l'heure. Ça continue par les réseaux qui se cassent parce qu'il a trop plu ou parce qu'il n'a pas assez plu. Les incendies qui se propagent de tous côtés et ainsi de suite. Tant et si bien que les réseaux collectifs dont dépend votre existence cessent de fonctionner et d'exister. C'est ça qui est devant vous, je vous plains. Moi, j'en verrai sûrement un morceau. Mais vous, vous taperez toute la série. C'est pourquoi je dis, j'en appelle à votre intelligence. Je n'ai pas l'intention de faire peur ce soir, d'en rajouter. Je vous demande seulement de réfléchir, vous spécialement, puisque vous avez la chance d'être des étudiants de l'enseignement supérieur. Et que donc, vous avez passé plus de temps à apprendre comment apprendre, à bien comprendre votre époque, pour savoir quoi faire contre elle. Et surtout,
à vous sentir investi individuellement de ce qui compte le plus pour un être humain, sa conscience. Et donc le devoir d'être des citoyens. Nous autres, qui partageons en commun la philosophie humaniste, celle qui dit que l'être humain est le créateur de son histoire, et qu'il est donc entièrement responsable de ce qui lui arrive. N'oublions jamais que si l'humanisme a pu éclore au XIVe ou au XVe siècle, cela dépend comment on le nomme selon que l'on est italien ou français, c'est parce qu'auparavant, il y avait eu la lutte si féconde et à peine aperçue de Christine de Pisan écrivant « La cité des dames » et qui disait une chose que personne n'avait entendue. « Si vous éduquez vos filles comme vos garçons, alors vous verrez que toute l'humanité est capable des mêmes exploits, quel que soit son sexe. » Augmenter sans cesse le nombre de ceux qui sont conscients, capables de comprendre, à qui l'on peut enseigner, c'est votre responsabilité individuelle. Dites, expliquez, lisez, faites lire. Plus vous serez conscient, plus vous serez éduqué, garçons et filles, et plus vous serez en état de savoir quoi faire. J'ai évoqué deux bifurcations majeures, celle du capitalisme et celle de l'écosystème plongeant dans la crise climatique. Et il y en a une troisième, celle que nous sommes en train de vivre. Le monde en général, les sociétés humaines en particulier, dès lors qu'elles sont interconnectées, fonctionnent d'après un principe de mondialisation plus ou moins actif. La mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. L'Empire romain était une mondialisation. L'Empire perse en était une, l'Empire égyptien auparavant. Ce qui est nouveau, c'est que cette mondialisation unit la totalité des peuples du monde et des sociétés du monde, qui sont en proie de ce fait à un seul et même système de reproduction de son existence matérielle, mais en même temps à un processus général, imparable, de créolisation culturelle. C'est-à-dire que les uns les autres, regardant les ineptes séries qui passent à la télévision, ou bien, plus intelligemment, en écoutant les musiques du monde entier, en tâchant d'accéder aux poésies du monde entier, nous sommes de fait unis comme jamais personne ne l'a été, au moindre espace de vie et de culture à l'autre bout de la planète. Ce phénomène a aussi une conséquence politique. Les sociétés humaines, et en particulier quand elles sont impliquées dans le mode de production capitaliste, sont des sociétés qui fonctionnent d'une manière hiérarchique. À la fin, dans le capitalisme, il y a un emprunteur final. À la fin, il y a quelqu'un qui répond de tout le système. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique qui remplissent ce rôle. Depuis une vingtaine d'années, cet ordre géopolitique s'est ébranlé. Il donnait tous les pouvoirs aux États-Unis. Et de l'autre côté, il y avait le monde qui était hors le marché et que l'on disait socialiste. Dorénavant, on est passé par une petite phase où il n'y avait qu'une seule puissance. Les États-Unis d'Amérique qui avaient dit dorénavant, je vais vous montrer comment ça tourne en faisant la guerre d'Irak. Et puis maintenant, nous revoici dans ce que d'aucuns réclamaient, un monde multipolaire. Le monde multipolaire, c'est une fadaise. Le monde multipolaire, ça finit toujours de la même manière. Quand il y a multipolaire, il y en a un qui voudrait bien que ça soit lui et surtout qu'il soit le multi. Et donc, c'est toujours la guerre. C'est toujours la compétition parce qu'on est dans ce régime. Là, nous y sommes. L'ancien ordre du monde vient de basculer. Il est en train de basculer. La puissance dominante, évidemment, se bat pour conserver les avantages qui allaient avec sa domination. Et les émergents, à qui il ne suffira d'ailleurs pas d'émerger pour être aussitôt baptisé par nous d'intéressant, et les émergents proposent un autre ordre du monde qui passe notamment par le renversement de la valeur exclusive du dollar. Vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Dans cette bataille où l'ancien monde veut établir un ordre et le maintenir, et des millions, des milliards d'êtres humains aspirent à autre chose. Confusément.
Et on ne dit pas qu'ils ont raison par avance. À côté des États-Unis d'Amérique, contre l'ONU, qui est la seule organisation qui unisse toute l'humanité, en dépit de tous ses défauts, il y a eu le G7, le G20, le je ne sais quoi, où un petit groupe qui commande dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Eh bien, les autres n'ont plus envie de faire ce qu'on leur dit de faire. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils se préparent à faire va mieux. C'est pourquoi notre intelligence est appelée plus que jamais. Et qu'il faut aller au bout de la compréhension de la stratégie qui est celle des insoumis. Nous voulons que la France, notre pays, soit le point d'appui d'un bouleversement de toute la donne. Voilà pourquoi nous sommes d'abord candidats au pouvoir. La France, capable de se défendre, capable d'empêcher qu'on agresse. La France, riche des savoirs, de l'intelligence collective que nous accumulons. Nous pouvons, si nous changeons le pouvoir dans ce pays, changer la face du monde. Et c'est cette ambition la nôtre. Pas moi. Bien sûr, la situation à laquelle vous êtes confrontés à Gaza a sa racine, avant toute chose, dans une bataille pour des territoires et non pas pour de la religion. Le colonialisme est toujours une bataille pour dominer un territoire et des populations. Il n'y a pas d'exception à propos de cette situation. Et bien sûr, c'est pourquoi d'aucuns veulent encombrer toute réflexion de sujets qui n'y ont au fond pas leur place. Parce que transformer une bataille de territoire en bataille de religion, accuser d'antisémitisme tous ceux qui discutent l'abjecte politique de colonisation et de massacre de masse. Tout ça, ce sont des moyens d'empêcher de penser. Il faut penser. Alors bien sûr, nous connaissons tous les raisons qui ont conduit à la création d'un État nouveau à cet endroit. Je mets cette question de côté. Je veux regarder la géopolitique. Il se trouve que cette guerre ne durerait pas 24 heures de plus si les États-Unis d'Amérique décidaient de cesser d'armer le gouvernement de M. Netanyahou. Cette guerre ne durerait pas 8 jours de plus si l'Union européenne décidait, comme elle l'a fait pour la Russie, d'appliquer des sanctions économiques au gouvernement de M. Netanyahou. Cette guerre n'aurait pas lieu si l'on respectait les décisions des Nations Unies au lieu de tout le temps mettre en cause la seule organisation représentative de l'humanité. Mais cette guerre a un sens géopolitique. Non, ce n'est pas seulement une affaire locale. Le gouvernement de M. Netanyahou entre dans la stratégie générale des États-Unis d'Amérique pour maintenir l'ordre dans une région par laquelle passe le 20% des marchandises mondiales quand 90% du commerce international se fait par la mer, c'est le canal de Suez. Les États-Unis d'Amérique ont besoin d'être au plus près de la source de 50% du pétrole disponible dans le monde qui se trouve dans les pays d'Émirats et d'Arabie. Et les États-Unis d'Amérique ont besoin que soit contrebalancée la puissance de l'Iran et des autres nations qui pourraient avoir des volontés de domination. Ce n'est pas rien que l'Arabie saoudite et les Émirats aient décidé d'entrer dans les BRIC et qu'ils y soient depuis le mois de janvier. Il y a donc, en face du G7, qui représente 31% de la richesse du monde, un autre ensemble qui s'appelle les BRIC, dont je m'empresse de vous dire que je n'ai pas l'intention d'en faire un modèle politique. Et que, Français que je suis, insoumis, et donc à la fois écolo et socialiste, je ne me rendrai pas aux arguments de ces nations sans avoir d'abord essayé de faire valoir les nombres d'arguments. Tout le monde m'a compris.
Mais si l'Arabie Saoudite et les Émirats annoncent qu'ils participent au BRIC et disent qu'ils sont prêts à ne plus commercer en dollars, mais en monnaie nationale, alors il faut que le gendarme du monde soit là pour s'assurer de qui fait quoi et contrôler ce qui se passe. N'allez pas chercher plus loin les causes qui expliquent une guerre pareille, une telle indifférence inouïe au massacre, une telle propension à accepter le double standard entre ce qui se passe là-bas au Proche-Orient, l'abject massacre qu'ils encouragent, et leur indignation toujours bien pensée à propos de l'Ukraine. Ce soir encore, le président de la République va s'épuiser en bavardage pour, bien sûr, comme d'habitude, nous dire cette abomination. Il n'y a pas de limite dans la confrontation avec la Russie, si monsieur, il y en a une. Nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie, nous ne voulons pas de la guerre nucléaire, nous ne voulons pas de la guerre. Dans tous les cas, le moyen de la paix existe. La guerre, pour eux, elle a des causes. Il y a une manière de mettre le feu à la paix. Bien sûr, dès la première heure. Coup de bol, j'étais dans un avion à cette heure-là, d'habitude je dors. Ils envahissent le voisin. Une semaine avant, nous partions des renseignements précieux que nous avait donné l'armée et le gouvernement à la commission de la défense qui nous avait dit « Nous avons, grâce à nos avions, nos capteurs, nos écouteurs, nos bateaux, les moyens de voir et de savoir. Et nous ne voyons pas et nous ne savons pas les mêmes choses que les États-Unis d'Amérique. » Et ils nous ont dit « Il n'y a pas de risque d'invasion. » Ils nous ont dit, eux. Et peut-être que là, j'ai commis une faute, je les ai crus. Et donc j'ai dit, s'il n'y a pas de risque d'invasion, expliquez-nous pourquoi vous faites tout ce barda là-bas. Parce que vous risquez de mettre le feu. Et c'est bien ce qui s'est passé. Mais auparavant, que se passait-il? Les États-Unis d'Amérique et leurs chers alliés en Europe étaient progressivement en train de pousser leurs pions, c'est-à-dire l'OTAN, un peu partout. Et réussissaient cette absurdité qui est de précipiter les Russes dans une alliance avec les Chinois, alors que la Russie devrait être unie au continent européen. Pas parce qu'on n'aime pas les Chinois, mais c'est que nous partageons une civilisation, des mœurs, des usages, une histoire en commun. Il ne fallait pas pousser la Russie, il fallait au contraire l'intégrer. C'est le contraire qu'ont fait les États-Unis d'Amérique avec un résultat extraordinaire. Dorénavant, nous dépendons d'eux pour nous approvisionner en gaz. Et nous leur achetons 47% du gaz qu'ils transportent par bateau. Le gaz qu'ils ont par fracturation des sols. Voilà de quoi nous parlons. Ils ont donc poussé jusqu'au point où les Russes ont décidé de passer la frontière, ce que, je vous disais, change, je dors d'habitude à cette heure-là, puisque j'étais dans un avion, j'ai pu immédiatement condamner. Et je continue à dire, de toute la force de mon indignation, que nous n'avons pas de leçons à recevoir. Quand c'était l'Union soviétique, je combattais avec les opposants socialistes contre la tyrannie stalinienne. Et quand ça a été Poutine, nous avons continué, je ne ferai pas la liste des actions. Mais depuis que la guerre a commencé, la seule organisation politique qui accueille des réfugiés que nous avons extraits de là-bas, c'est nous. C'est nous. Que ceux qui veulent nous donner des leçons mettent la main à la poche et donnent de l'argent pour payer les loyers chaque mois, pour aider les camarades à survivre. Voilà de quoi nous parlons. Alors, dans ce contexte, après avoir dit toutes sortes de sottises, le voilà parti dans cette dérive de va-t-en-guerre. Mais vous avez tous lu, vous avez tous vu comment a été déclenchée la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu dans un monde multipolaire. Je ne parle pas de la deuxième. Il était juste et bon de combattre les armes à la main, les nazis. Je vous parle de la première, parce que c'est celle qui ressemble le plus à la période que nous connaissons. On peut arrêter la guerre. On peut l'arrêter à Gaza. Cessez le feu. Application des résolutions de l'ONU. Deux États. Sécurisation de la frontière avec le Liban. Je vous dis tout ça
parce que j'entends des petits messieurs et des petites dames, l'air important, venir faire des proclamations à la tribune de l'Assemblée nationale, scrogneux, on va faire ci, on va faire là. Eh bien oui, eh bien allez le faire vous, si vous voulez, nous on ne peut pas, on ne le fera pas, on ne le fera pas, on le fera pas. Quelqu'un peut-il nous parler d'une occasion où quelqu'un aurait vaincu les Russes? Peut-on oublier que c'est avec 20 millions de morts que les Russes nous ont libérés des nazis? Non, je n'oublie pas. Il faut cesser la caricature qui est faite de ce peuple, de cette nation, pour la prendre pour ce qu'elle est. Alors, ils ont des gouvernements qui ne nous plaisent pas, mais le nôtre non plus ne nous plaît pas. Alors, ça ne peut pas être un critère. On fait la paix entre ennemis. On négocie entre parties adverses, pas avec ses copains. Et c'est ce qu'il faut que ce jeune homme apprenne. Pareil pour l'Ukraine. Il y a un chemin pour la paix. Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. À commencer par le gouvernement ukrainien qui l'a voté. La sécurisation des centrales nucléaires. Jusqu'à quand je vais devoir le répéter pour qu'on l'entende? J'ai commencé dans la campagne présidentielle. Les réacteurs nucléaires en Ukraine, c'est l'endroit où il y a Tchernobyl déjà, dans son sarcophage. Les réacteurs nucléaires sont tous refroidis par des rivières qui se jettent dans la Méditerranée. Et tel qu'est le sens dans lequel tourne la Terre, eh bien, quand il se passe quelque chose là-bas, sauf en France, le nuage avance, il s'arrête à la frontière française, bien sûr. On le sait tous, personne n'a été malade. Vous savez ce que ça veut dire. Vous en avez déjà mangé une fois. Imaginez-vous que vous en mangiez 19 fois. C'est un sujet sérieux. Alors, si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les centrales, et on peut y mettre des casques bleus, j'avais dit, si nous, nous gagnons la présidentielle, les Français seront les premiers à aller faire casque bleu là-bas. On ferait casque bleu. Tout le monde est d'accord. Pourquoi ne le fait-on pas? Si on le fait, on commence à démilitariser. Si on commence à démilitariser, alors on discute d'un cessez-le-feu. On peut passer de l'un à l'autre plus facilement. Un cessez-le-feu, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit aux chefs de parti, parmi lesquels il y avait Emmanuel Bompard, que les Russes étaient prêts à un cessez-le-feu, qu'ils en avaient besoin pour reconstituer leurs armes, évidemment. On n'en sait rien, mais s'ils y sont prêts, alors pourquoi n'en discutons pas? Les centrales nucléaires, le cessez-le-feu. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit dans cette même réunion, où il y avait Manuel Bompard, coordinateur des Insoumis, que Zelensky lui aurait dit qu'il comprenait que certaines parties de la population pourraient ne plus avoir envie d'être ukrainiennes. Il parlait sans doute du Donbass qui a été bombardé pendant 7 ans. Et donc, qu'il était prêt à l'idée que ce soit par une consultation que les populations décident de quel pays elles veulent être. Et c'est exactement ce qu'il faut proposer. Sécurisation des centrales, cessez-le-feu, des garanties mutuelles, oui, mutuelles, pour que les deux parties soient assurées qu'elles n'ont pas à craindre à l'avenir, ni les Ukrainiens d'être à nouveau envahis par les Russes, ni les Russes de voir une partie de leur population bombardée et couper le canal qui amène l'eau en Crimée. Des sécurités mutuelles, pas d'OTAN en Ukraine. Et pas de franchissement, donc il faut une zone en profondeur dont la démilitarisation soit garantie. Oui, des garanties mutuelles. J'ai vu un commentateur, bon, je ne regarde pas souvent la télé, pour être franc avec vous, je ne la regarde jamais. Non, mais franchement, aujourd'hui, je regarde, je tombe sur un con qui dit « Oui, c'est pas étonnant qu'il soit antisémite à Sciences Po, il vote à 50% pour Mélenchon. » Ça manquait, je suis aussi responsable de ça. Alors évidemment, quand on parle de garanties mutuelles, vous en avez un qui était là en train de s'étrangler. « Ouais, il veut donner des garanties aux Russes. » Ben oui. Ben oui, si tu veux que la guerre cesse, il faut que les deux parties y aient leur intérêt. Consultation des populations et discussion sur les frontières. On va dire discussion sur les frontières et consultation des populations. Il y a un cadre qui existe pour discuter des frontières, pas besoin de l'inventer. C'est l'Organisation de coopération de la sécurité en Europe. Il a été créé en 1975, en pleine guerre froide, précisément
pour se donner des garanties mutuelles de sécurité. Et dans cet accord, il est écrit que s'il y a des problèmes de frontières, on ne les réglera pas par les armes, mais par la négociation. Ah, l'OSCE. Par conséquent, il ne faut pas dire une seule seconde que la paix soit un rêve poétique et sympathique et bucolique, mais que seule la guerre, en définitive, peut trancher d'une manière claire et nette les problèmes auxquels nous avons à faire face. Ce n'est pas vrai. C'est la paix qui est le plus pratique à organiser. C'est la paix qui a le plus d'instruments pour lui-même. Et j'invite à ce qu'on ne se risque pas trop à faire des gesticulations dont, en plus, on n'a pas les moyens. Parce que c'est une chose de donner aux Ukrainiens tous les canons César dont on dispose, y compris pour notre propre armée, qui donc n'en a pas besoin, puisqu'on peut les prêter aux autres. Alors à quoi bon les avoir fabriqués ? Et ainsi de suite. C'est une idée folle de continuer dans cette direction. Et le chef de l'État a tort de croire qu'il crée, comme il dit, une ambiguïté stratégique. Vous avez suivi cette histoire ? Monsieur a dit qu'en menaçant tout le monde, il crée une ambiguïté stratégique. Ça a été grandiosement réussi. Aussitôt, tous les pays disaient « Non, on n'ira pas !» Adieu, en une seule phrase, il a aboli toute ambiguïté stratégique et Poutine n'en demandait pas tant. Maintenant, il est tranquille, il sait que personne passera la frontière dans l'autre sens. Tout ça est mené en dépit du bon sens, mais le risque de guerre est gigantesque. Voilà le moment politique dans lequel nous sommes. Quelle est à partir de là la stratégie qui peut renverser la situation ? La première, c'est d'avoir des propositions tenables et assumables par une nation, celle que nous dirigerions, la France. Avoir des propositions concrètes, matériellement capables d'être mises en œuvre. Je viens de vous les présenter. Deuxièmement, une stratégie d'éducation populaire de masse pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pas pour impliquer, pas pour empêcher de penser, pas pour insulter tout le monde, penser, comprendre. Si les pauvres paysans qui, n'écoutant pas les grandes manifestations de l'année 1914, et qui pensaient que la guerre serait réglée en une semaine et qu'ils reviendraient aux travaux des champs, avaient su que la guerre telle qu'elle se préparait à l'époque, ils ne le savaient pas, ne serait pas l'assaut joyeux des pantalons rouges sur les fesses contre l'Allemand, mais que ce serait une tuerie de masse pendant 4 ans. Ce dont Jaurès les avait informés auparavant en leur disant « Ce qui vient de se passer en Orient vous montre ce que ça va être. Je vous dis, ce que vous avez vu mettre en œuvre comme guerre, guerre totale, guerre génocidaire, guerre ethnique, c'est ce qu'ils vous préparent partout, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que de massacrer en masse. » Ensuite, cet élément pour nous, vous, je sais bien que des gens sont venus ici qui ne sont pas forcément de notre avis, et ça me réjouit de savoir qu'ils sont là au moins pour entendre une fois ce que nous disons vraiment plutôt que ce qu'on nous fait dire. Mais à tous les autres, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'argument de la conscience. Et nous pouvons amener au bout cette logique par deux moyens. L'action, c'est-à-dire l'ouverture de la conflictualité partout où nous pouvons pour obliger à réfléchir. Et ensuite, utiliser toutes les occasions qui nous sont données dans la paix, puisque nous en jouissons, de faire valoir notre avis. Vous devez voter. Si vous votez, vous pouvez tout faire changer, mon sang de bois. C'est de vous que ça dépend. Écoutez-moi. C'est l'abstention des jeunes et l'abstention des quartiers populaires qui permet aux autres de se paumer, de faire les malins. Le résultat que nous aurons, ne croyez pas qu'il y a une élection européenne, on vous en aura parlé le 9 juin. Non, c'est pas une élection européenne. C'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. C'est vous qui choisissez à qui vous donnez de la force, à nous autres qui construisons l'Union ou pas. Et les autres en face, je viens de vous dire, tout le monde le sait, la stratégie de la conflictualité, c'est parce que croient ces imbéciles qui ne connaissent rien.
Ça veut dire on oblige à penser. Quelqu'un connaît un autre moyen de faire penser que de dire non? Quand vous dites non, ben ça oblige à réfléchir. Si vous dites oui, ben ça va de soi. Eh ben, nos enfants, tout petits, hein, à 15 mois, ils comprennent ça. Quand ils veulent exister, quand ils veulent montrer qu'ils ont compris, qu'ils préfèrent le dessert aux carottes qu'il y a avant dans la soupe, eh ben ils disent non quand on amène la soupe. Et de même, vous devez faire preuve de votre existence par votre décision. Et vous ne pouvez décider que si vous comprenez qu'il y a un enjeu. Donc c'est notre travail. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Nous, la conflictualité unie. Quand vous ouvrez le conflit, l'unité populaire s'avère être la nécessité. Ah ben, il faut être ensemble pour réclamer ci, pour réclamer ça. L'intérêt général apparaît. Mais pourquoi ils nous font faire ça? Ils sont complètement fous, on veut faire ça et pas ça. Alors de la conflictualité jaillit le peuple en tant qu'entité politique. Le peuple jaillit de la confrontation. Il n'existe pas à l'état de nature. C'est un peuplement à l'état de nature. Le peuple politique, il naît dans le conflit. Alors l'adversaire, lui, quel moyen il a? Il en a un, vous fragmenter. Le racisme n'est pas seulement une lettre du cœur et de l'esprit. Le racisme est une stratégie. Le choc des civilisations est une stratégie. Montrer du doigt, nuit et jour, les musulmans, c'est montrer du doigt 6 millions de Français. C'est nous diviser. Montrer du doigt, sans cesse, par la couleur de peau, montrer du doigt par le genre, c'est fragmenter la société, l'empêcher de se rendre compte qu'elle est composée d'êtres humains semblables, pas identiques, semblables, semblables par leurs besoins, et donc par les moyens de satisfaire ces besoins. Le grand Jaurès, s'adressant aux travailleurs d'un pays naissant qui était l'Argentine, où l'on parlait français, il y avait mes ancêtres, italien, espagnol, il leur dit « Ne vous regroupez pas par nation, regroupez-vous par vos revendications, car elles vous unifient, et si vous vous regroupez par vos revendications, alors vous ferez naître la nation argentine. » Alors nous, la nation française, telle que nous, nous l'aimons, celle qui n'a pas de couleur de peau, celle qui n'a pas de couleur de cheveux, celle qui n'a pas une religion en particulier, la nation française, liberté, égalité, fraternité, cette nation-là, c'est vous qui devez la refonder. C'est vous qui allez apprendre à vos enfants que ce pays est le leur et pour toujours, et qu'il n'est pas négociable leur identité. C'est vous qui allez apprendre pour vous-même, dans vos amours, si ce n'est pas déjà fait, que les êtres humains ne vont pas regarder dans le code de la nationalité ce qu'ils sont en état de se faire s'ils s'aiment. C'est vous qui êtes les porteurs de tout ça, par vos votes, mais par votre propre vie. La première barrière qu'il y a au racisme, au sexisme, c'est nous-mêmes, chacun d'entre nous, qui refuse. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous revoir une fois encore dans un tel contexte. Avec celui-ci, pour une fois, on est deux mecs. D'habitude, ça n'a pas lieu. Hein. Sur 6 dirigeants centraux de l'organisation, 4 sont des femmes. La présidente du groupe, la présidente du groupe, la présidente du groupe, il y a 3 groupes, la coprésidente de l'Institut, etc. Bref. C'était important pour moi d'être là avec lui, pour faire une démonstration de la continuité assurée dans le temps de ceux qui sont engagés. Pour moi, une soirée comme celle-là, ça compte. Bon, je ne vous parle pas de mon cinéma personnel, mais venir à Nanterre avec le passé qu'a la faculté, c'est quelque chose. Mais pour vous, bon, tout ça, c'est du passé lointain. Et puis, comme les héros de l'époque ne sont pas illustrés par leur courage depuis,
Allez, ils sont habillés pour l'hiver. Peut-être que pour vous aussi, ça comptera, ce moment-ci, cette alerte, cette explication, cette invitation que je vous fais à lire ce livre. Ah, il y a comment que ça arrive, hein ? Le livre sort le 28, punaise, le 7, c'est la guerre. Bon, on en a vendu 15 000, je suis content. Mais pour moi, c'est un énorme travail fait avec mes camarades pour clarifier les idées, pour mettre au point les mots. On ne peut pas penser sans les mots. On ne peut pas agir clairement sans théorie claire. On ne peut pas avoir de théorie claire sans toucher à tous les savoirs qui concourent à la formation de cette théorie. Mais le plus important, et c'est là-dessus que je vais finir, moi, le plus important, c'est que chacun d'entre vous, femmes, hommes qui êtes là, ce soir, on a la pêche. Et puis, il y a des jours où on l'a pas. Et des fois, on se sent un peu seul. Quand vous aurez ce sentiment de solitude, quand vous serez accablé par le flot des injures qui vous touchent, qui vous agressent, qui vous nient, car c'est toujours ce qui se passe, faire de nous des racistes, parce que c'est ça l'antisémitisme, est quelque chose qui nie notre identité. Faire de nous des inculpés, faire de nous des mis à part. Bien sûr, nous sommes équipés pour y résister. Mais les amis, que c'est bon de penser à vous, que c'est bon quand plus rien ne va, de se dire ils sont là. Et vous, vous direz, j'étais là, on était un millier. Et on se sentait tellement fort qu'on est sûr qu'on va y arriver. Vous êtes comme nous, vous allez être trop chaud là. Hein.